véritablement, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie ce soir. Je deviens ton enfant. Je deviens ton serviteur. Fais de moi ce qui est bon. Fais de moi ce qui est bon. Et l'œuvre de la croix soit accomplie dans ma vie. Que l'œuvre de la croix prend place dans ma vie. À partir de ce soir, je me sépare de tout ce qui est le mal. Je me sépare de tout ce qui est le mal. À partir de ce soir, toute œuvre de l'ennemi n'a plus de place dans ma vie. À partir de ce soir. Prends place dans ma vie. Prends place dans ma vie. À partir de ce soir. L'ennemi ne peut rien contre moi. L'ennemi ne peut rien contre moi. Christ Jésus. Tu es mon maître ce soir. À partir de ce soir. Je te donne tout mon être. Je te donne tout mon être maintenant. Mon corps. Mon âme. Et mon esprit. Prends ça entre tes saintes mains. À partir d'aujourd'hui. Je deviens fils du royaume. Du royaume de la lumière. Et que l'ennemi ne peut rien contre moi. Satan, je te dis ce soir, éloigne-toi de ma vie. Tu ne peux plus rien dans ma vie. Car à partir de ce soir, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Restez calme, je vais vous maintenant. Je vais lire un verset vite. Autant à moi, pour que mon enfant. C'est 1 Samuel. 1 Samuel. Vous savez, peuple de Dieu. Vous en avez besoin, oui. Je vais dire une chose. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les costumes ou les cravates. Vous en avez besoin, le nom de Dieu. Mais c'est l'esprit qui agit en nous. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure dans Ephésiens 3:20. Donc c'est l'esprit de Christ qui habite en nous. Et c'est ça qui a fait de nous les enfants de Dieu. La puissance de Dieu demeure en nous. Et quand on parle, ce qui sort en nous, c'est la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu, ça se trouve dans l'air qu'on respire. C'est ça la puissance de Dieu. Et si ton cœur est bien disposé, c'est Dieu. Que Dieu avait soufflé quand il avait formé l'homme, ça va souffler dans ta vie maintenant et ta vie va changer. Donc élève tes deux mains. Mais comme je viens de dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les costumes et les cravates. J'aime bien honorer les serviteurs de Dieu. Car je suis un avec Christ. Je suis un avec Christ et Jésus. Nous sommes un avec Christ et nous sommes l'église ce soir. L'église ce n'est pas des bâtiments. Mais c'est nous qui sommes l'église. C'est pour ça que je vais appeler un homme de Dieu qui est présent avec nous ce soir. Je sais qu'en lui il y a l'esprit de Dieu. C'est un prophète de l'éternel. Et c'est lui qui va prier pour le peuple de Dieu ce soir. Et c'est lui qui va prier pour nous ce soir. Donc, disposez simplement vos cœurs. Que le prophète Eliakim vient prier. Vous savez, Eliakim vient vous la parole avec bien aimé dans ici. Bien aimé, dispose ton cœur. Reste ton calme. Éternel grand Dieu, le Dieu de l'Alliance, toi qui as choisi Abraham comme ami, Père éternel, devant la présence de tes anges, mon Dieu, mon roi, qui suis-je, Père éternel, et devant cette multitude, ce n'est que par ta grâce. Nous sommes autant difficiles, Père éternel, Papa. Nous sommes autant difficiles. Mais regarde ce peuple, ont compris, Seigneur. Ils sont venus, Seigneur, dans ta présence pour contempler ta gloire. Mon Dieu, mon roi, ce que moi je vais dire, comme tu as fait à Élie. Élie avait prédit, cette année il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Père éternel, si on honore la parole, si on honore, Seigneur, ce qui sort de la bouche de tes serviteurs. Père éternel, agrègue, Seigneur, ce qui sort de ma bouche aujourd'hui. Mon Dieu, mon roi, je dégage l'onction dans la vie de tous ces gens, mon Dieu, mon roi. Je sais que, Seigneur, ces gens ont des fardeaux, mais je sais, Seigneur,
roi papa. Une femme cananéenne avait dit à Jésus, Seigneur, le miel c'est pour moi, le miel c'est pour moi. Tes gens ont compris, mon Dieu, mon roi. Ils sont venus, Seigneur, ramasser les miettes. Les miettes qui sont les païennes. Seigneur, nous qui étions être les païens, mon Dieu, mon roi. Tu nous as fait grâce. Seigneur, tu nous as glorifié. Aujourd'hui, Seigneur, les pardons qui sont, Seigneur, dans leur vie, papa, qui sont maintenant honteux, qui sont maintenant honteux, qui sont maintenant honteux, qui sont maintenant honteux. Diable, aujourd'hui, tu n'as pas le droit dans cet endroit. Parce que l'homme de Dieu avait dit que l'église est le temple du Saint-Esprit. Ces gens-là, Seigneur, c'est l'église. Mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, je confirme, papa, que tu as fait dans leur vie. Papa, les gens ont témoigné devant toi. Ils sont là, mon Dieu, mon roi, pour dire qu'ils ne sont pas venus pour une personne. Mais Seigneur, ils sont venus pour toi. Ils sont venus pour te chercher. Ils sont venus pour te dire. C'est toi-même qui es à l'intérieur de la souffrance. Mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, Seigneur, prends, Seigneur, tous tes pardons. Seigneur, remettez-les, Seigneur, tout ce qui est bien. Parce que, Seigneur, leur pardon, c'est ton souci. Seigneur, leur pardon, c'est ton souci. Seigneur, leur pardon, c'est ton souci. Allez, restez-moi les sous les dieux. Restez-moi les sous les dieux. Qu'est-ce que tu as touché? Père éternel, papa, comme tu as dit dans ta parole, tu en as.